Est-ce que peut-être tu peux expliquer un peu sur le frise que tu as fait pour le Beaux-Arts? Tu n'as pas essayé? Si, si, je l'ai en plus, je l'ai récupéré. Parce qu'elle était là à Bruxelles. Ah, oui. Mais je l'ai récupéré parce qu'il y a peut-être un projet de l'éditer. Ah, de l'éditer? Oui. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais oublié quelques personnes que j'aime bien, comme Enki Bilal, comme Matotti, Sestak, alors je vais sûrement rajouter des petits détails comme ça. Et comment, ou ça c'est pas encore, non. Un accordéon, c'est compliqué de pouvoir fabriquer, mais ça sera peut-être pas un accordéon. Yellow Kid. Oui. Ouais. Yellow Kid, Bereke, je l'appelle. Il y a Astérix, Blueberry. Oui. Là, en fait, je vais rajouter sûrement Wood pour faire un clin d'œil à Christian Desbois. Ah oui. Et puis ici, ce sera sûrement l'atelier de peut-être de Bilal parce qu'il a une sorte de tête de zèbre. Ah oui. Alors après, moi, je savais que quand on arrivait à Bruxelles, il y avait un cinéma qui s'appelait l'ABC. Que quand on sortait de la gare à gauche, donc c'est pour ça que j'avais mis ce cinéma-là. Bon, ça c'est le Concorde qui n'existe plus, bien sûr. Le Thalys normalement qui arrive un peu à ma manière. Ça c'est Rank Xerox avec Lubna. Ah oui. Batman. Ça c'est Skeuten un peu le Cité Obscure. Ouais, Gotham. Het was Schuiten, hoe heet dat ook weer? Die Duistere Steden. Ja. Niet City Obscure in het Frans, maar ja, dat kan nog niet. Ça va me revenir. Ouais, ça, c'est donc l'immeuble du Lombard à ma manière. Ça, c'est comme s'il cherchait sa direction, puisque c'est le sens de la lecture de la fresque. Ça, c'était le clin d'œil à Evermelon, puisque c'est le numéro 3. Ça, c'est le concombre masqué de Mandrika, qui s'est fait écraser, on ne sait pas, une bestiole. Il s'en est même pas aperçu. Ça, c'est donc la chose qui fait ses courses, le Major Fatal. Ça, c'est un petit peu le genre de vaisseau qu'on voit dans la Guerre des Étoiles. Il y a plein de clins d'œil à la Guerre des Étoiles, déjà aussi avec Dark Vador ici. Ça, c'est l'Espadon, Druyé. Ça, c'était un clin d'œil aux Idées Noires, Eriman, Yoko Tsuno, Little Nemo. Major. Ça, c'est à la fois un clin d'œil à Jacob, c'est aussi à Pitardi avec ce sous-marin qui existe dans une histoire. Le Barajo, c'est Munoz. Ça, lui, le personnage qui sort, il est un peu crâne sur les bords. Et puis, il regarde un peu les fesses de Barbarella et il imagine quelque chose de plus costaud, quoi. Ça, c'est Goldorak, André Juillard avec Masque Rouge. Ça, c'est encore Skeuten. Ça, c'est un clin d'œil au Passager du Vent de Bourgeon. Alors là, il y a tous les noms de ce que je voulais pas dessiner. C'est-à-dire les que je connais pas bien. Alix, Lucorian, Guy Lefranc, Marc Dacier, Jérémia, Dan Cooper. Ça, c'est Monsieur Pi. Vous connaissez Monsieur Pi? C'était... Pi, Lambic. C'est Lambic qui m'a fait connaître. Ah oui, Monsieur Pi. Ça, c'est donc Mickey, Philémon, Jacques Palmer, donc Barbarella, Machereau avec Flozmaker qui vendent les revues de l'époque. Il y a un petit clin d'œil encore au surréaliste. Il y a une montre molle de Dali, mais qui n'est pas vraiment belge, mais parce que c'est la même époque des pipes un peu de Magritte. Ça, c'est en fait le personnage dans Flock, le rendez-vous de Sevenoke. Où il y a toute l'histoire avec Basile Sebduc et tout, et à un moment donné, il y a un meurtre où on met une tête comme ça sur de cerf. Alors en plus, j'ai fait donc un personnage très élégant à la Flock qui est en train de lire, mais qui ne comprend rien à ce nouveau manifeste de la ligne claire. Il y a Woodstock dans les branches, avec. Ça, c'est le chat de Shelton. Ça, c'est donc, Modeste et Pompon, je sais pas comment on dit, qui tient en laisse par la queue le marsupilami. Ça, c'est un tableau qu'il y a dans l'art moderne de Jos Zwart. Il y a un tableau comme ça, avec un point d'interrogation. Jabba, encore un petit clin d'œil à la Guerre des Étoiles. Villemain, Chaland, Gottlieb, qui dit bonjour en fait au morpion de Bob l'Éponge. Vous connaissez pas ça? Bob de Sponge? Non, vous connaissez Bob de Sponge, non. C'est un dessin animé. Oui, je le connais. Ça, c'est la stèle de
qu'on s'appelle des humanoïdes associés, avec Farkas, Druyer, voilà, c'est ce petit logo qu'il y a toujours. Oui. Le premier métalleur là. Ça, c'est donc la voiture de Ted Benoît, mm-hmm. qu'il y a dans Berceuse électrique. Ça, c'était un de mes petits personnages que j'avais fait en bande dessinée. Ça, c'est une pin-up à la Serge Clair, des sortes de palmiers encore à la Herriman, Spirou, Fantasio, mm-hmm. Spip, Benoît Brisefer, Boulet Bill, mais le chien simplement, mm-hmm. c'est Bill, je crois. Blake et Mortimer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, l'atomium. Ça, en fait, j'avais pensé, quand j'ai fait ça, quand on arrive en voiture à Bruxelles, il y a deux grands trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est des réacteurs, hein. Je ne sais pas ce que c'est. C'est deux grandes formes comme ça. On avait une sorte d'usine électrique. Donc, pour moi, c'était une des silhouettes de Bruxelles. Mais je les ai fait avec des traces comme ça, parce que je pensais, moi, à l'époque où je lisais toutes ces bandes dessinées. Ça, c'est Corto Maltese. El Borba de Charles Burns. Comme il était très gros, je ne voulais pas le mettre tout seul, je l'ai mis à côté d'une sorte de... Peut-être sa compagne, mais ça n'existe pas dans l'univers de Charles Burns, j'ai inventé. Ça, c'est Clifton. Moustal. Après, ça, c'est Monsieur Jean du Puberberien. Ça, c'est encore un personnage qu'il y a dans des dessins animés pour plus jeunes. Parce que je me suis dit, je vais mettre choses pour les tout-petits qui seront plus bas et qui pourront voir. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui vont voir l'exposition, mais qui ne connaissent pas du tout ce monde-là. En revanche, voir des trucs comme ça, ou le schtroumpf, je les ai fait pour que ça soit à leur hauteur. Le schtroumpf qui se fait engueuler, qui revient de l'école, parce qu'il est avec un 0 sur 20. Et ça, ce personnage-là, vous ne connaissez pas, c'est Piotr, ça. Piotr. Marc Edito. Ça, c'est Amy et Jordan, de Marc Beyer. Vous connaissez Marc Beyer, oui. Marc Beyer, oui. Je perds tout, moi, je suis tout sur le jeu. Le retrouver. Après, plaisir 9, c'est parce que c'est l'année et puis c'est le 9e art. Ça, c'est plaisir. Ça, j'ai appelé la voiture une Lotus parce qu'à Bruxelles, la marque des Spéculoos, c'est Lotus. Comme la voiture. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Méder de Jean-Christophe Menu. Ça, c'est Margerin. Qui avait un vieux scooter Bernardet, sauf que j'en ai fait un moderne, mais là, il avait un scooter de Marc Bernardet. Ça, donc, c'est l'invasion un peu japonaise. Ça, je l'ai rajouté, ça y est pas là-bas. J'ai déjà rajouté ça sur l'original, c'est rue Blotch, parce que je voulais faire un clin d'œil à Blotch. Là, c'est Gilles Jourdan que je n'avais pas mis, il n'y est pas sur le... Ça, c'est le garage de Jerry Cornelius, encore du garage hermétique. La turbo-traction, mais avec Super Monsieur Fruit de Crécy. Ça, c'est Tardi avec le chasseur de cafards, Blitz, mais que j'ai fait en golfeur parce que je comptais. Mais oui, je jouais. Après avoir fini ça, j'avais rendez-vous pour aller jouer au golf. Et le chat de Guéluc. Magnifique, tiens. T'as inventé tout ça dans un très peu de temps, hein. Ah, bah oui, très peu de temps. Parce que j'ai demandé à la dernière minute, hein.